Le procès en appel de l'opposant rwandais Paul Rusesabagina et ses 20 co-accusés a repris ce lundi à Kigali. La cour doit se prononcer sur l'appel du parquet qui avait requis la prison à perpétuité à son encontre, souhaitant voir sa peine alourdie. La chaise du principal accusé Paul Rusesabagina, qui continue de boycotter ce procès, était vide. Sa famille avait récemment annoncé qu'il ne comparaîtra pas et ne participera pas à la mise en scène de l'appel d'un prisonnier politique. Paul Rusesabagina a été condamné en septembre à 25 ans de prison pour avoir soutenu le Front de Libération Nationale, un groupe armé accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Les peines de ces 20 co-accusés doivent être réexaminées par la Cour d'appel de Kigali.